parents souffrent comme ça, là, quand tu vois ça, tu vas vraiment fâcher ce couple-là. On sort pour aller avoir la bénédiction de faire toujours de ses parents. C'est ça, mes amours. Je vous dis, pardonnez. N'oublie pas de ces petits conseils, mes amours. Ces conseils, c'est important pour tout le monde. Même si aussi tu n'es pas dans l'Occident aussi, tu peux venir encore pour quelqu'un là. Voilà. Quand tu viens, vous allez imaginer, surtout les femmes là, les jeunes dames là, quand tu vas venir chez quelqu'un d'abord. Celui, le mari, il est avec son mari là. Tout ça maintenant, ça se laisse avec toi. Parce que même s'il va manger là, il va mettre le plat qu'ils vont manger là. Si toi, tu ne viens pas ramasser l'assiette là, elle assise comme c'est toi qui es l'esclave pour lui. Le jour que tu vas refuser pour lui là, ils vont te mettre dehors. Regardez, elle est venue, elle fait tout pour la dame. Quand il va aller au travail, salon, c'est elle qui va courir le matin, aller ouvrir là-bas. Après là, elle va venir à la maison travailler. Elle fait comme vraiment. Parce que l'éducation qu'on permet, qu'on l'a donnée, son éducation lui permet de donner le respect. De prendre, elle dit à la dame, maman, 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 maman. C'est celle-là, c'est comme ça qu'elle l'appelle maman. Maintenant, dès qu'elle a eu vraiment, les gens la voient vraiment, chaque fois elle est là-bas, elle va nulle part. C'est jusqu'à le salon qu'elle va, elle ouvre le salon, elle s'assoit. Elle la donne quoi? 20 dollars. 20 dollars. 20 dollars toute la semaine. C'est 20 dollars qu'elle va gagner. Elle a laissé ses parents derrière lui. Ses parents sont là-bas. 20 dollars là aussi, ce n'est pas toutes les semaines. Parce qu'elle mange, elle, hein? On la donne le manger. Voilà. Elle passe la nuit là-bas. Voilà. Elle ne paye pas de la maison, elle ne donne rien. Donc, si elle gagne, elle donne. Si elle ne gagne pas, elle s'en fiche. Maintenant, comme elle a maintenant, elle commence les ans la vie. Parce que tu ne veux pas rester comme ça, il faut que quelqu'un va t'aimer. Quel que soit l'homme ou femme, il faut que quelqu'un qui va te guider, donner le chemin d'aller. Elle a eu quelqu'un, toi, tous les jours, toi, tu es là, toi, tu es là, tu es. Elle ne connaît pas Tracy, elle ne connaît rien. Juste, elle va revenir, elle va venir ouvrir la porte pour s'asseoir. Quand le client vient là, elle appelle la dame. Maman, client est là. Maman, c'est comme ça. C'est juste ça, hein. Maintenant. Comme elle a eu, comme on a dit, ok, il faut t'apprendre. Elle a commencé à apprendre maintenant, comme à tresser, elle a eu maintenant. Maintenant, elle dit à la maman, moi aussi, vraiment, je veux que travailler, que vous allez me donner un peu la semaine. La guerre est commencée. Quand elle prépare, on prend son manger, on jette. Quand elle voit, mais, donc, si elle avait commencé au début, au moment qu'elle est rentrée là, toutes les années qu'elle a fait là, si elle avait commencé au début, ça n'allait pas l'arriver. Donc, quand tu vas sortir l'aventure là, le cœur, tu vas laisser ton cœur, tu vas laisser ton corps, tu vas laisser tout pour avoir ta réussite. Lève-toi. Il faut prendre le bus parce que tu n'as pas de voiture. Tu ne conduis pas, tu n'as aucun document. Cherche l'avocat, la première des choses. Cherche l'avocat. Quand tu vas chercher l'avocat, essaie toi-même. C'est que le peu de travail que tu fais là. Tu peux payer un peu, un peu, un peu là. Parce que quand tu prends l'avocat là, tu ne vas pas payer l'argent tout ça. Tu payes la moitié. Donc quand tu vas aller travailler, comme elle travaille comme ça là, elle s'apprend à tresser là. Elle n'a qu'à mettre, elle n'a pas mis ça un peu, un peu. Elle va payer son avocat. Pour avoir la résidence, si tu n'as pas le papier, ce n'est pas facile. Parce que tu ne peux pas travailler comme ça que ça doit. Parce que le travail, le salon n'est pas de travail. Les salons, les gens ne connaissent pas à quel moment. Et ils s'en fichent. Ils peuvent venir à n'importe moment, ils vont venir. N'importe moment, ils vont venir pour tresser. Et si tu as des enfants, comment tu vas faire? Il fait nuit, tu ne peux pas. Donc, quand tu as ta résidence, même si tu vas aller au salon, le jour que tu ne travailles pas, tu peux aller te débrouiller au salon pour avoir le prix de ton naissance. Tu gagnes ça là-bas. C'est important. Mais si tu n'as pas ça, mes chéris, tu laisses tout. À l'aide des gens qu'ils n'ont qu'à te dire, comment tu vas aller, tu ne pourras pas. Donc, mes amours, l'aventure, ce n'est pas facile. L'aventure, il faut qu'on ferme les yeux. On prend vraiment du, vraiment être fort, c'est important, c'est ça. C'est de ça. Avec la bénédiction des parents, tu vas voir, tu vas t'en réussir, tu vas t'en sortir, tu vas être le meilleur. C'est avec ça.
Quand vous allez faire comme ça, mes bébés, ça va nous aider beaucoup. On va améliorer beaucoup. Celui d'un qui tu as trouvé ici, là, toi-même, tu vas dépasser de lui. Parce que comment? Les mentalités ne sont pas mêmes. Comment vous faites le travail ne sont pas mêmes. Voilà. Toi-même, tu vas être plus riche que lui. Toi-même, tu vas connaître comment calculer. Toi-même, là, tu vas prendre ta propre maison. Toi-même, tu vas gérer comme ça c'est fait. Parce que quoi? Les mentalités ne sont pas les mêmes. Les choses ne sont pas les mêmes. Tu es plus intelligent que... Tu es allé à l'école. Tu connais mais par A plus par B. Mais si tu connais rien de ça, vous allez mettre dans le même niveau, dans le même pied d'égalité. Donc, faites attention, mes chéris.